basse de Vincent Muras. Au deuxième rang, Rémi Corion et Florian Laït. Le sauteur que nous saluons, Louis-Anne Solabert, et qui est accompagné aujourd'hui de Maxime Brett, les hommes en blanc, avec les deux entraîneurs Stéphane Gourdian, Arnaud Capdeville, le cordier Éric Merville. Bien, on voit que malheureusement, le champion de France, David Laplace, toujours absent, une longue blessure, on lui souhaite prompt rétablissement. Ce sera le salut de la quadrilla qui par ce salut vous se qualifie. Rappelons qu'il y a compétition sur les deux courses, un prix pour le meilleur écarteur, un prix pour le meilleur sauteur. Et bien c'est la première attaque de... Et bien une attaque de la course, elle a été extraordinaire ce matin. On va suivre le troisième écart avec Vincent Muras. Qu'ils sont relativement nombreux. Voilà. Mais regardez avec la ronda des sobriers de Louis. Vin, Jean Pabon, Sir Gaston 20, Jacqueline Rouquette, Club Touraine de Plaisance 15 de Brive, Joël Bergos à Agenbourg 20. Ouais, bien, c'est le premier pour Gaëtan. Attention, Gaëtan. Sur le transeau et Gaëtan. Voilà, jolie déboulée de Aguilera et je vous laisse apprécier l'attaque de Gaëtan là-bas pour ce qui était d'ailleurs. Voilà, bien avec. De France, des sauteurs, malheureusement, une très vilaine blessure l'éloigne des arènes. Et on voit à Tursan. Voilà, bien, on voit. Voilà, avec Hugo Villetoma, tête de jaune, 15 de prime. Madame Brunello, président du club de Toujours, 15 de prime. Voilà, avec Florian pour... Voilà, mais il débute avec un saut de l'ange. Et comme un 10 pour tous les enfants présents dans les arènes, tous les enfants de Aubagnan. Le saut de l'ange de Louis-Anne Solabert. Pour recevoir le déboulé de la coursière. Voilà, avec un très joli passage pour Louis-Anne Solabert. Et merci à l'Union Musicale pour le soutien dans ce début de sortie. Le saut périlleux pour Louis-Anne Solabert. Coiffure à Gédemont 15. Oui. Maurice Darico à Buval 15. Le deuxième saut. Attention pour Louis. Voilà, avec le saut de l'ange pour Louis-Anne Solabert. Le sourire pour Louis-Anne Solabert qui en termine au-dessus. Ah, et dommage, la coursière n'est pas de nombre de figures à effectuer. Voilà, avec le premier écart pour... de mieux pour Hugo Villetoma. Voilà, avec maintenant l'écart intérieur pour des amis de la course hollandaise au Ouga 15. Michel Desclats, président de l'amicale des clubs à Pouillon et des amis de la course.
avec une coursière et bien dans ton pouls en ce début de temporada. Voilà, mais je vous laisse apprécier. Et saluons d'ailleurs l'ensemble de tous les élus, les maires, conseillers généraux qui nous font l'honneur de leur présence. Et l'attaque sur la fête avec un... Oula ! Allez, c'est certain que... sur Adour 25, aller en Lamarque à Samadé 15 de prime. Dommage pour Hugo. Ah, il voulait un 2-0 à 5 points. Elle totalise 5 points. Le comportement de la coursière 2-0 à 10. Elle totalisera 9 points. Le travail des acteurs 8 points 50. Un total de la sortie de 22-50. C'est le point 10 pour Rodolphe Beauvais. Mais il me dit Gaëtan, j'ai eu le plaisir de débuter avec lui. Ça fait énormément plaisir de le voir. Sur l'écran d'art, la première sans corde de la course, attaquée par un des spécialistes. Déjà deux écarts effectués, un maximum de 8 figures avec ce troisième écart de Gaëtan Labaste. Voilà, avec Gaëtan qui enchaîne les figures devant cette jeune coursière à la devise vert et blanc. Déjà 5 écarts effectués, on est à la moitié de la série. Voilà Gaëtan avec cette attaque sur la corde droite, le 6e écart maintenant devant cette vache sans corde. La 9e figure maintenant. Voilà, avec le sourire pour Louis-Hans Solabert qui amène aussi un capital point important dans cette sortie. Et bien, ce sera la 10e figure maintenant. 10 figures maximum comme règlement de la compétition, le règlement fédéral. Et Gaëtan qui va amener la 10e figure maintenant devant cette jeune coursière. Voilà Gaëtan avec cette attaque sur la corde droite. C'est un indice pour les Vergonzanes Family, pour Frédéric, Nicolas et Guillaume. Le voilà, une attaque départ côté loge, le déboulé de Folga, le grand saut pour... voilà, Rémi, il attaque sur le grand saut, et Rémi pour... Eh bien, on le voit, une coursière à la robe originale attaquée par Vincent Muras, un brindis pour l'ensemble du comité organisateur du Club de Rennes pour tout ce qu'ils font pour la course hollandaise et remercier de l'excellent accueil réservé à l'ensemble des acteurs. Voilà, avec Vincent Muras pour le deuxième écart devant cette vache sans corde, la deuxième de la première partie. Alors là, on se demande où est-il passé d'ailleurs dans ce troisième écart.
serré, au revoir. Vincent, eh bien, qui temporise aussi, observe le comportement de cette coursière. Alors, 6 de fait pour Vincent. Olga Cassoulet, 5 de prime pour Vincent Muras. Avec l'accompagnement musical, l'encantade, le morceau de Nadao, un morceau très apprécié. Passer au plus près. Et la coursière, c'était d'ailleurs le 7e. Jean-Jacques Dehesse, maire de Montsouet. 5 de prime pour Vincent Muras. Montsouet qui vous donne rendez-vous d'ailleurs le 18 mai prochain pour la course des fêtes 16h30. L'Armagnacaise Christophe Avignon pour le challenge Landeverre. C'est Louis-Anse Solaver. Le sombrier de Louis-Anse Solaver au-dessus de la vache sans corde. Volant à bord de maire de Vienne Dursan, 5 euros de prime pour Vincent Muras. Il reste 2 écarts pour terminer le quota de 10 imposé par le règlement. Voilà, Vincent Muras, on va très à l'aise. Le brindis à tout le public pour mettre un terme à la série. Michel Lacabe, sonorisation qui sonorise d'ailleurs les courses de Aubagnan. 5 de prime pour le travail de Vincent Muras devant cette coursière. Merci à Avignon Musical pour l'Encantade, un morceau qui a résonné hier soir dans une des plus grandes salles parisiennes pour la grande soirée concert de Nadao. Voilà les Vincent qui amène le 10e écart dans la 10e figure dans cette série, 9 écarts et un saut. Voilà, avec une très belle réussite pour